Après, est-ce que on a quelque chose à faire sur l'île principale? Je pense pas. Le temple de Freyr. L'anneau est aussi beau que dans mon souvenir. Freyr. Un dieu van. Le frère de Freya, en fait. Freyr est ami avec les elfes depuis longtemps. C'est un des rares dieux qui soit le bienvenu ici. On en apprend un peu plus. Vous aurez récupéré la pierre à aiguiser. Prenez-en le plus grand soin. C'est une relique inestimable après tout. Tu vas me répéter la même chose tout le temps? Bon allez, on se casse. On n'a pas une... On n'a pas un portail. Pas 36 000 chutes d'eau, c'est ça qui est embêtant. Mais bon, on reviendra plus tard. Il y a quand même deux endroits inexplorés, donc il y a sûrement... la salle secrète qu'on peut toujours pas ouvrir et après autre chose. Mais s'il faut, il faut passer par la salle secrète pour en savoir plus, donc bon. On va pas tourner 5 ans non plus, on y va, on se casse. Allez, go, 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 go. Plus fort. Quand vous aurez récupéré la pierre à aiguiser, prenez-en le plus grand soin. C'est une relique inestimable. On va faire un peu d'histoire principale. On va aller dans le royaume des géants, je crois. C'est ça ? On ira à la forteresse après, parce que c'est plus loin. Genre c'est tout là-bas, donc voilà, c'est pas maintenant. On doit aller ici, suivre les indicateurs de lumière jusqu'au burin.
atteindre le véritable sommet le plus haut, il nous faut deux choses. La ruine du passage secret de longtemps et un morceau du burin magique. Tout d'abord, nous embarquons pour trouver le burin. Ça me dit pas où m'arrêter, parce que là, j'ai un trou, là. Je sais plus. C'est à droite. Muspelheim, ça. Où est-ce que Baldur nous cherche? Eh bien, résumons ce que nous savons. Baldur est sans conteste le meilleur traqueur d'Odin. S'il vous cherche, il faut envisager la possibilité qu'Odin lui-même vous cherche. Et pour ce qui est de déchiffrer les intentions d'Odin, j'ai de la pratique. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir qu'Odin n'a pas? C'est le roi des dieux. Des as, oui, mais son pouvoir a des limites. Et ce qui est hors de sa portée, il cherche constamment à l'atteindre. Crois-moi, il a passé des années à me torturer pour ça. Mais la chaleur, Brock. La chaleur est indispensable dans ma branche. Elle aide même à plier l'espace. Ces portes magiques que vous aimez tant ici, elles mènent toutes les unes aux autres, parole de Brock. Allez-y, et essayez, vous verrez. Traverser Muspel est une vraie promenade de santé, si vous finissez par rôti. J'ai un peu la connexion qui baisse apparemment. Ça devrait... Deux secondes. Bon, dites-moi ce que vous avez trouvé. La prochaine fois. La prochaine fois, exact. Waouh, il fait chaud ici. Mais est-ce que c'est de la neige? Des cendres, comme seuls en produisent les grands feux. Le royaume tout entier est un grand feu. La source même du feu et du soleil et des étoiles, si on en croit la légende. Il faut y croire. Enfin, on est là et on ne brûle pas. Pas encore. Eh bien oui. Cela s'est sans doute refroidi depuis l'aube de la création. Niflheim n'est plus aussi froid non plus de nos jours. C'est dans l'ordre des choses. Les extrêmes s'érodent au fil du temps. Les flammes deviennent braises, les cheveux deviennent gris, les têtes tombent et ornent les ceintures. C'est la vie. D'accord, Mimir. Les têtes tombent et ornent les ceintures. Ben, c'est pas accueillant. Encore
de ce côté. Celui-ci s'appelle Surt. Ça doit être un géant de feu. Oui, le tout premier même. Il fabrique une épée enflammée. Une arme de légende. Il se bat contre Thor et Odin. Mais est-ce que c'est le passé ou le futur ? Disons que c'est une histoire de perspective. Au-delà du mythe. Écoutez, j'entends une voix. Encore un elfe ? Je crois pas. Ça vient de là-haut. J'aime pas les endroits chauds. La voix ! Elle est juste derrière ça ! Oh ! C'est une grande épée. Elle demande si on veut s'entraîner. Ha ! Et là quoi. Désolé pour ça. On s'était arrêté devant le... Devant l'épée là, l'épée bizarre. Bon, bah d'ici ça va être facile, il n'y a pas grand chose à visiter en fait. Terminer l'épreuve pour déverrouiller l'arène suivante. Accepter le défi, refuser, échauffer. On accepte. Accepte. La porte est fermée. Prépare-toi, Atreus. Oui, père. Oh merde, on est chronométré, putain. Le temps s'arrête pas quand on fait les enchaînements, c'est chiant. Ouais. Très dur. Vous n'aimeriez pas qu'on trouve de l'encens juste une fois ? On se lasse assez vite de l'odeur du soufre. Ah, braise ardente, cool. Ça, c'est pour crafter des nouvelles armures. Ça, c'est cool. Elle dit qu'il y a un autre niveau au défi.
Il est plus difficile. Tiens. Allez. Je pense pas qu'on va le faire celui-là. Pas. Tiens-toi prêt. Toujours. Aimer les vagues pour avancer, aimer à quelqu'un. Les adversaires ressuscitent tant que d'autres ennemis sont encore en vie. Je sais pas ce que ça veut dire. Merde, il est chargé. Pas bon. Allez, bouge. Ok, faut les tuer en rapidement en fait. Comme ça peut-être. Je pense pas qu'on ait vraiment le niveau pour ça. Ah, parce qu'il faut les tuer en fait ensemble, plus ou moins ensemble. Donc c'est un peu chiant. J'ai envie de retester une seule fois. Juste pour voir. Il y a un autre niveau au défi. Il est plus difficile. Tiens-toi prêt. C'est pas les drogueurs qui montent par ici. Ils se ressuscitent au bout d'un moment, faut les tuer en même temps.
Ah, là, toi aussi, les deux. Merci. Blague. Je vais pas y arriver là. Non, 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 là ça vaut pas. C'est trop compliqué. Enfin, c'est trop compliqué. C'est emmerdant. C'est très emmerdant. Difficile. Ça, c'est une autre zone pour plus tard. Suis le pont. Ce n'est pas le bon moment. What? Quel pont? J'en viens du pont, non? J'ai fait une erreur, je suis allé où fallait pas. Salut Alizar, bienvenue. La boussole ne devrait pas mentir, donc on va voir la boussole. Reviens aux 9 royaumes. Oh. Ça marche, ça marche, ça marche. On va voir.
J'ai pas dû aller au bon royaume en fait. Ouais, non, c'est pas le bon royaume. Non, moi j'ai fait deux dragons. On doit aller où ? C'est ça, Alfheim ? Je m'en rappelle plus. On cherche à étendre son pouvoir. Tu penses qu'il veut aller à Jotunheim aussi ? Oui, ça fait partie de ses plus grandes obsessions. Mais ça tient pas debout, Mimir. Hein ? À partir de quel moment n'ai-je plus été clair ? Tu disais que Baldur nous cherchait pour trouver un moyen de se rendre à Jotunheim. Mais on savait pas encore que c'était là où on était. Absurde. Mais tu oublies une chose, c'est bien à Jotunheim que vous allez. Donc il avait raison. Je comprends rien. Eh bien, ça veut dire que tu as bien écouté. J'arrive pas à trouver la pierre de passage pour le troisième. C'est peut-être une des petites histoires, des petites quêtes qu'il faut faire, non ? Les nains aiment bien nous donner des quêtes, par exemple. Je suis encore au mauvais endroit. Eh oui, je suis... En fait, le truc, c'est que c'est le dragon qui nous a mis... Enfin, le dragon, le serpent... Monde qui nous a mis dans la bonne direction. Et en fait, je l'ai changé après manuellement. Donc il faut retourner à Midgar, je crois, non ? Oui, il faut retourner à Midgar. Et après, je sais pas. Redis-moi comment Odin a pu savoir qu'on allait à Jotunheim avant qu'on sache. Vois-tu, Odin est très intelligent. Presque aussi intelligent qu'il pense l'être. Et il collectionne les prophéties. Et qu'une chose concerne l'avenir... Il l'ajoute à sa collection. Ça lui permet de se proclamer clairvoyant et omniscient. Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est le contrôle. Contrôler l'avenir, contrôler son destin. Il contrôlerait chaque monde, chaque pays, chaque royaume s'il le pouvait. C'est pourquoi il cherche à éliminer tout danger potentiel. Même si tu n'as jamais rien fait contre lui, il se dit que tu pourrais le menacer un jour. Alors, tu comprends, l'important, ce n'est pas qu'il ait su avant vous. L'important, c'est qu'il avait raison. Eh ben... C'est pas qu'il est su avant nous, mais c'est qu'il avait raison. Ouais, c'est bien ça. C'est mon erreur. Atreus, avec moi. Fallait simplement retourner à Midgar. Ah oui, il nous avait dit, en plus, c'était entre les statues. Je suis con, j'ai complètement oublié. Avec les problèmes que j'ai eu, j'ai complètement oublié ça. Est-ce que le géant à l'épée de flamme a une histoire ? Circe le Brave ? Bien sûr. Assez parlé des géants de glace. Faisons place au plus flamboyant de tous les géants.
Ymir fut le premier à émerger du Ginnungagap, suivi de Surt. Il venait de Muspelheim, royaume de feu, pour apporter la chaleur au nouveau cosmos en faisant naître le soleil de son feu primordial. Mais attardons-nous sur cette épée de flamme, tu veux ? Surt le Brave forgea cette épée de flamme dans un unique but, consumer Asgard quand le jour du Ragnarok serait enfin venu. Sa destinée est de tomber face à Thor et Odin, et ce faisant, de porter le coup qui réduira le royaume en cendres. Et de cette destruction, le monde renaîtra. Il attend son heure à Muspelheim sans jamais dormir, aiguisant à chaque instant sa lame enflammée. Ce brave et généreux Surt sait que le but de sa vie est de mourir. Ceci parce qu'il a choisi de servir un grand cycle, bien plus important que lui. Accepter son destin, avec la patience et les sacrifices que cela implique, c'est s'assurer que son jour viendra. Tu penses qu'on sera là ? À ce moment-là ? J'ai vu mon lot de guerre divine. Mais toi, jeune frère, qui peut le dire ? Ok. Ragnarok, la prophétie. Gulvig. Tu as été arraché à ce royaume trop tôt. Vous qui marchez parmi les vivants, ma bien-aimée Gulvig m'appelle. Elle aspire au repos. Mais sa dépouille est incomplète. Je vous en prie, reconstituez-la. Tu veux qu'on récupère ses os ? C'est dégoûtant. La magie Seisre de Gulvig n'a pas de limite. Elle peut vous réunir avec ceux que vous avez perdus. Vraiment ? Comment ? Atreus, je sens ton chagrin, mon enfant. Mais n'aie crainte, sa magie est assez puissante pour créer des ponts entre la vie et la mort. Du moins, temporairement. Atreus, nous partons. Ils ont pris trois des eaux de Gulvig et les ont disséminées autour du lac. Non, ah non. Oh la vache. Apporte-moi ces eaux, mon enfant. Gulvig te récompense. Ah, parfait. Le burin spécial est juste devant, derrière cette porte. Concentre-toi, Atreus. On va peut-être faire les eaux avant. Le coup. Ce royaume souffre sans son esprit. Père, on devrait peut-être rechercher ses os. Pourquoi ? Tu l'as pas entendu ? On pourrait parler à mère. Si on regarde bien. Regarde tant que tu veux, Atreus. Je ne me laisserai pas distraire par cette quête futile. On va quand même le faire. Parce qu'exploration. Ça a pas l'air d'être très loin non plus. Je soupçonne qu'on va devoir combattre à chaque emplacement d'eau. Boss. Alors, le premier à gauche. Là. Voilà.
magie émane de ses eaux. Ça doit être Gulvig. Est-ce qu'on peut le garder? Rien. On trouvera peut-être les autres. Cet esprit te ment, Atreus. Comment tu le sais? J'ai connu mon lot d'esprits. Ils mentent tous. Celui-ci est différent, je le sais. Tu sais très peu de choses. On va faire celui-là à droite d'abord. Tu sais très peu de choses. Il y avait une cité entière sous l'eau, on dirait. En effet, une cité oubliée. Comment elle s'appelait? J'ai oublié. Ah, on n'a pas fait ce morceau de carte. Bon ben, c'est parti. Des ennemis devant. Wow, wow, wow. C'est quoi ça? On arrive à tuer les autres avec lui. Ça m'étonnerait. Dernier, complètement possible. Rien dit. C'était totalement possible. Ils peuvent créer un mur de glace. Oui, ils me sont connus. Bien verrouillé. C'est quoi ce bruit, hein? Objet, et après on remonte. Ah, il y a du combat à faire. Qu'est-ce qui se passe ?